Alors moi, je suis en charge de faire la présentation qui normalement devrait être la plus ennuyeuse de la journée. Donc je vous préviens. Bon. À savoir que, qui a paru nécessaire, parce qu'on voit beaucoup de chiffres faux qui se baladent, si vous voulez. Des comparaisons entre la valorisation boursière et le PNB des pays, etc. Donc moi, je vais vous donner quelques chiffres qui positionnent exactement où en est l'Europe aujourd'hui dans le monde. Et j'ai privilégié systématiquement les sources américaines. Hein. Comme ça, on voit comment on est perçu. Alors, ça va aller assez rapidement. Alors, c'est un peu comme le sujet de philo du bac. Il se peut qu'il y ait des interrogations à la fin, d'ailleurs. Hein. Faites gaffe. Donc, vous suivez, vous retenez tout, hein, puisque ça va être donné. Donc, quelle place de l'Europe dans l'innovation mondiale? Alors, là, il y a une semaine, Le Point a fait un numéro qui s'appelle « Quand l'Europe dominait le monde », avec un sous-titre « Et pourquoi elle n'a pas dit son dernier mot ?» Alors sachez que pendant 5 siècles, de la Renaissance à la Première Guerre mondiale, l'Europe a entraîné l'innovation et le progrès de toute la planète. Aujourd'hui, après, à cause qu'elle a été la source des 2 guerres mondiales, on peut dire qu'elle a perdu une grande partie de sa légitimité, aujourd'hui le monde est devenu multipolaire, en évolution rapide, et en fait l'Europe garde un rôle très important et qui actuellement est plutôt croissant, contrairement à une idée reçue, notamment sur la science, la culture, l'humanisme, le progrès et la coopération internationale. Alors, 10 points, et je mettrai en face quelques chiffres. Économie et finances, éducation et recherche, recherche et développement, grand secteur économique, capacité d'innovation, innovation inclusive, développement humain, qualité de vie, art, culture, et ce qu'on appelle soft power. Économie et finances. Alors, la France, elle passe en dessous de 0,8% de la population mondiale. Actuellement, elle va à 0,7%, ça veut dire que 99,3% sont ailleurs, quand même. Et l'Europe, en son ensemble, glisse en dessous de 10%. Alors, qu'est-ce qu'un pays qui fait moins d'1% de la population mondiale dans un ensemble qui fait moins de 10% peut faire au niveau mondial? Alors, tout d'abord, si vous regardez les PNB du monde, je mets ce schéma parce qu'il est symbolique. Il y a un gros rond les États-Unis, un gros rond la Chine, hein, l'Inde, le Japon, et puis l'Europe, c'est toujours plein de petits ronds, toujours compliqué à faire. C'est boring comme un rapport d'Eurostat, si vous voulez, avec 28 statistiques, et ce qui souvent ne donne pas la comparaison exacte parce qu'on compare avec 2, 3 pays. Quand on regroupe tous ces gens-là, alors ici, exemple, les 10 premières économies du monde, les USA, la Chine, après Japon, Allemagne et tout. En fait, l'Europe a un PNB supérieur à celui des États-Unis, mais il est dispersé sur 28. Si vous regroupez seulement l'Allemagne et la France, l'Allemagne, uniquement deux, c'est la 3e économie du monde, avant l'Inde ou le Japon, pour donner une idée, d'où l'importance de la coopération franco-allemande. Après, quand vous rajoutez les autres, vous montez et vous finissez. Ça agace d'ailleurs Trump qui souhaite que l'Angleterre quitte l'Europe pour que le PNB américain soit supérieur au PNB européen. Ici, vous voyez l'évolution, là, ce qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat. Ça permet de comparer des choses comparables. Vous voyez l'Asie qui progresse, l'englissement de l'Europe et des États-Unis. Mais il faut faire place au monde asiatique. L'Afrique, ça commence tout juste. Mais l'Europe reste encore, pour l'instant, avec un PNB supérieur à celui des États-Unis. Vu qu'on ne fait que 10% de la population mondiale, hein, faire encore 20% du PNB, il y a un effet qualitatif, pour vous donner l'aspect. Au niveau financier, l'Europe reste pour l'instant la plus grosse puissance financière au niveau mondial. C'est elle qui fournit 35% des investissements directs dans le monde. Et elle en reçoit elle-même 27,7%. C'est-à-dire que c'est un lieu où on aime investir parce qu'il est stable. Hein? Donc, financièrement, c'est encore aujourd'hui, pour 10% de la population, il y a un effet induit. Si on regarde les marchés mondiaux, c'est les chiffres les plus récents, hein, toujours ressources américaines, c'est-à-dire combien achètent, si on dit qu'il est important d'aller sur le marché américain, 12 milliards 9, marché européen 12 milliards 19, marché chinois 8 milliards 9, ça vous situe. Donc vous voyez que cet éclatement donne souvent une vision un peu impropre par rapport à être uni. Éducation et recherche. Alors ici, je vous ai mis l'analyse mondiale la plus complète sur les meilleures universités du monde, hein, qui prend en compte donc 700 universités, Europe, Amérique latine, Asie, etc. On voit Europe 317 universités parmi les leaders mondiaux, 161 en Amérique du Nord, 286 en Asie. Alors évidemment, si on prend les 20 premières, 13 sont américaines, 7 européennes. Si on regarde Reuters sur les 100 premières universités les plus innovantes, 48 aux US, 27 en Europe. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les top 10. Évidemment, vous aurez Harvard, machin.
mais c'est 10%, c'est 10 qui représentent 0,3% de l'éducation mondiale. Donc il va y avoir plein d'autres universités qui sont bonnes aussi, donc il y a un effet, si vous voulez, de mise en avant. Aujourd'hui, le web est top 10, top 50, top 10, vous voyez ça tout le temps, mais ça porte sur une partie tellement faible que ça n'est pas très significatif. Donc l'Europe n'est pas larguée au niveau universitaire. Si on regarde les nombres de docteurs en sciences et en ingénierie par région, vous voyez, l'Europe, là encore, et pourtant, il n'y a que les 8 premiers Européens, Europe top 8, hein, les grands pays, parce que c'est fastidieux d'aller chercher les stats de tous les autres. Généralement, les Américains ne s'ennuient pas trop, ils arrêtent France, Allemagne, un truc, ils ne vont pas aller chercher, vous voyez, le Luxembourg et tout. Mais c'est quand même beaucoup plus que ce qui se fait ailleurs. Donc, on a un beau niveau de formation de docteur en sciences ingénieurs, publication mondiale scientifique, hein, c'est l'intégration de toutes les sources NSB, Bureau des standards. L'Europe, pour l'instant, évidemment, on a un glissement long vers le bas. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé de la Chine, on est arrivé de ce qu'on appelle les developing countries, les autres pays en développement, hein, qui prennent le relais, donc Chine venant de passer devant les États-Unis. Mais l'Europe reste leader pour l'instant dans les publications scientifiques, si vous voulez. Alors après, les articles sciences, on dit oui, mais il faut zoomer sur la science et l'engineering, c'est le plus important. Oui, on a aussi, vous voyez, cette baisse au bout par rapport à la montée de la Chine. États-Unis, Europe baisse, mais pour l'instant, on publie, on a plus qu'eux. Si on prend intègre le biologique médical, qui est un énorme domaine de santé, hein, vous voyez, avec biomédical, publication européenne, publication américaine. Hein, donc, je dirais, voilà, c'est pour avoir des chiffres. C'est National Science Board, hein, c'est notre alter ego aux États-Unis, hein, National Science Foundation, ils savent faire les chiffres, ils ne mettent pas l'Europe en avant pour nous faire plaisir. Hein, ils ont des données qui sont solides. Alors, sachez qu'il y a des domaines où on a un bon leadership, par exemple dans les mathématiques. Hein, l'Europe a pratiquement deux fois plus de médailles FIS que les États-Unis. La France est passée au même niveau que les États-Unis, d'ailleurs la 13e. Et donc, c'est une grande spécialité européenne et française, puisque plus de 10% des papiers scientifiques de mathématiques sont publiés à Paris. Donc, on garde un bon point que l'on retrouve ipso facto dans le domaine de l'IA, puisqu'en intelligence artificielle, qui s'appuie énormément sur les mathématiques, je parle au niveau de la science, l'Europe est leader de la recherche en intelligence artificielle au niveau scientifique. À ne pas confondre avec les applications. Les gros budgets sont nécessaires aujourd'hui en développement de services utilisant l'intelligence artificielle pour la santé. Il faut traiter énormément de santé, il faut mettre en connexion, mais ce n'est pas de la recherche fondamentale. Au niveau de la recherche fondamentale, sur l'IA, je veux dire, l'Europe se porte bien, hein, par rapport aux États-Unis, à la Chine et l'arrivée des autres pays émergents. Recherche, développement et technologie. Vous voyez, répartition de la science mondiale, Amérique du Nord 27%, 27%, 27%, vous voyez, 2007, 2000. Asie 42, 43, 44, elle prend un point par an. Europe 20, hein, vous voyez. Donc on est un peu en décrochage, vous voyez, Amérique du Nord, Europe. Il faut tenir compte qu'aux États-Unis, il y a une énorme recherche militaire qui fait un poids très important qu'on n'a pas, qui vient influencer. C'est pour ça, vous voyez, toujours États-Unis est nettement plus élevé. Quand on regarde les classements d'innovation, hein, on a toujours des Européens, les États-Unis, d'autres Européens. En fait, l'Europe, elle entoure les États-Unis. Dépenses R&D des 2500 principales entreprises du monde, c'est-à-dire 90% de la R&D du monde. Alors, vous voyez, États-Unis, Europe, dont extrait la Suisse, parce que pas dans la Commission européenne, la Chine, le Japon. Donc l'Europe a une place d'investissement qui est importante, même si les US, essentiellement à cause de l'activité numérique, sont actuellement devant. Mais je dirais que ce n'est pas un déséquilibre monstrueux au niveau de la R&D mondiale, d'autant qu'aux États-Unis, on a un dégagement constant du gouvernement fédéral. Alors nos collègues américains se plaignent suffisamment que les laboratoires ne sont pas soutenus, que tout est privatisé, qu'ils ne peuvent pas suivre, mais qui jouent beaucoup aujourd'hui sur l'équilibre américain, d'autant que dans ce gouvernement fédéral, grosse partie est défense. Ce qui fait que ça écrase les budgets pour la santé, pour d'autres activités, qui fait que nos collègues ne sont pas contents. Alors, c'est très important, la défense, les États-Unis dépensent autant que la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Inde, la France, la Russie, l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, c'est un tel pack que ça déséquilibre l'ensemble de l'activité. Et sauf à vouloir avoir un budget comme les États-Unis et dominer le monde, il n'y a pas de vision européenne de rattrapage à ce niveau-là. Ça n'empêche pas d'avoir des programmes qui soient à la taille de ces pays. Alors, sachez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de polémiques actuelles sur le fait que le peu que le gouvernement dépense en R&D, il le fait gérer par des entreprises privées. C'est la nouvelle approche de Trump. C'est-à-dire que c'est l'État qui paye, c'est la NASA qui lève le budget, mais elle doit tout donner à Musk, qui n'a jamais mis un centime dans quoi que ce soit. Donc ça agace beaucoup aux États-Unis, c'est-à-dire la gestion privée de la R&D publique.
Donc beaucoup de journaux disent que ce n'est pas un équilibre, on fait semblant d'investir alors qu'en fait c'est l'État qui soutient tout. Dans le cas de Musk, c'est l'entreprise la plus subventionnée des États-Unis. Donc voilà. Alors les grands secteurs économiques. Alors ici, vous voyez la production des biens, ce qu'on appelle moyenne et haute technologie. Les pays ne sont pas d'accord sur haute ou pas haute. Les Américains, des voitures, c'est un leadership allemand, donc c'est pas la haute technologie, c'est moyen. Donc là, c'est moyen et haut, mais en fait, tous les produits assez sophistiqués. Vous voyez l'arrivée de la Chine, la production européenne, la production américaine et la production du Japon. Donc l'Europe est après la Chine. Elle a encore une bonne base industrielle, les États-Unis un peu moins. C'est un pays qui est très déficitaire au niveau du commerce extérieur parce qu'il a perdu de la compétitivité. Ici, alors c'est pareil compliqué, mais c'est facile à lire, c'est le poids de la R&D dans les grands secteurs industriels par pays, l'Europe est en jaune. Vous voyez quatre secteurs où elle a une bonne position, aérospace défense, hein, on dit c'est le Bourget, chimie ingénierie, vous voyez, 34%, santé, hein, 31%, industrie, 27%, c'est évidemment moins que la Chine, mais c'est plus que les États-Unis. Et deux domaines où elle est en difficulté, qui sont les computers et l'informatique et le software et l'Internet. C'est un secret pour personne. Et un domaine où tout le monde est à peu près au même niveau qu'est l'automobile, entre Japon, Europe, États-Unis, Chine. Vous avez vu les recompositions, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc on n'est pas dans une situation dramatique au niveau des équilibres industriels, si vous voulez. Alors un des problèmes qu'on a entre ces trois grandes zones, c'est que les États-Unis sont très déficitaires vis-à-vis de la Chine, à moindre titre de l'Union européenne, d'où les mettre des taxes, etc. Il faut savoir que fondamentalement, enfin, c'est l'analyse de tous les grands Américains, MIT et tout, s'ils sont dans cette situation, c'est parce qu'ils ont perdu de la compétitivité. Vous savez, dans nos entreprises, il faut être compétitif, il faut serrer, il faut arriver 3% en dessous des coûts allemands et tout le barda. Alors si on vous met 30% de taxes, vous baissez les bras. Et donc on a une perte de compétitivité qui entraîne une situation un peu dure entre les États-Unis, la Chine et l'Europe que vous avez aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est une perte de compétitivité. Alors capacité d'innovation, ici c'est la grande étude mondiale, 80 variables. L'organisation de la propriété intellectuelle, INSEAD, je passe. Alors ici, vous voyez, typiquement, vous voyez l'Europe dispersée, un nuage de points, comme toujours, et les États-Unis. Elle est plus et moins innovante que les États-Unis. On avait une moyenne qui est à peu près au même niveau. Ici, je montre, c'est un point intéressant, c'est typique des tops, ce qu'on appelle top 100. Les 100 premières entreprises et organisations les plus innovantes du monde. Alors vous voyez que, paradoxalement, c'est d'abord Japon, ensuite États-Unis, troisième France. Parce qu'on classe 7 organisations. Si on regroupe l'Europe, elle est là. Et on jette un œil sur qui est concerné. Ici, vous voyez, dans ce classement, Reuters, c'est le plus grand organisme de presse aux États-Unis, donc c'est eux qui intègrent les données. Vous voyez, dans les 10 premiers mondiaux, il y a 3 Français. Le commissariat à l'énergie atomique est classé en numéro 2. Certaines années, est numéro 1, d'ailleurs, avec le département de la santé américain. Vous voyez l'Allemagne avec les Fraunhofer. Puis vous voyez le CNRS et l'INSERN. Si on va jusqu'au 25, on arrive à caser pratiquement tous nos grands centres Carnot. Alors, il faut faire attention, c'est le déformation. Nous, ça nous arrange, les top 100, puisqu'on a tout concentré dans une seule organisation. Et donc, vous avez tous les gens qui vont à la recherche médicale, alors que les zones vont avoir 25 centres. Voyez. C'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf dans ces classements. De dire, je suis dans les tout premiers avec 0,2% de le truc mondial. Mais enfin, sachez qu'on a des puissants centres de recherche très reconnus aux États-Unis et dans le reste du monde. Ici, vous voyez, si on prend les 25 plus grands organismes de recherche mondiaux, ils traitent quand même près d'un quart de la recherche mondiale. Vous voyez, d'abord allemand, ensuite américain, ensuite français, ensuite japonais, à cause de ces grands bébés, ce qu'on appelle ici les centres Carnot, qui ne sont pas du tout largués au niveau mondial. Alors ici, c'est intéressant, c'est Bloomberg. Bloomberg, c'est le plus grand groupe de presse économique du monde qui traite énormément de données. Alors ils ont fait un classement tous les ans qui dit les 10 pays les plus innovants. Alors en 2018, ça a été marrant puisqu'il n'y avait pas les États-Unis. Donc il était critiqué, il y a eu un tweet de qui vous savez qui a dit comment ça, comment on peut pas ne pas mettre les États-Unis dans un classement. La France était, vous voyez, 9e, Suisse, Israël, Allemagne. Donc vous voyez l'Europe fait par Bloomberg. L'année suivante, 2019, on vient d'avoir les données de Bloomberg. Alors ils ont changé le fond, il est devenu noir, mais c'est pas grave. Les 10 économies les plus... Alors les États-Unis sont rentrés dedans, ils ont monté de 3 points, la France est passée en 10e. Mais enfin, voyez, même vu des États-Unis, quand vous regardez les pays les plus innovants du monde, vous avez un pack européen qui tient tout à fait la route par rapport aux États-Unis ou aux autres pays du monde. Je ne vous passe pas dans le détail. Je vais faire juste un zoom sur l'évaluation de Bloomberg pour montrer, vous voyez, c'est chiant apparemment, mais je vais aller à l'essentiel. Vous voyez, la France en 10e, elle est classée numéro 2 high-tech density.
la plus forte densité high-tech après les États-Unis dans le monde, et elle tient cette place depuis longtemps. En revanche, au niveau de la capacité de mettre en production, 47, c'est ce qui la plombe, elle était à 31 l'an dernier, pour vous dire, pour ça qu'elle est descendue de 3 points. Innover, c'est mettre en production, sinon il ne se passe rien et ça coûte 10 fois plus cher que la R&D. Donc, on a un problème d'industrie beaucoup plus, c'est juste pour montrer quand on compare, ce n'est pas qu'un problème de science, d'avoir les articles. D'avoir les... Après Villani, il y a beaucoup d'investissements avant que ça produise. Voilà, juste pour le mettre en évidence. Alors ici, plus, des autres visions, vision business, Boston Consulting Group, National Association Manufacture, des milliers de businessmen dans le monde vous disent non, pour nous, plus innovant, c'est ces 10-là. Un, Allemagne, États-Unis, Japon, Suède, Pays-Bas, Canada, UK, Corée, France, Australie. Donc oui, ça se tient, je dirais. L'Allemagne a beaucoup remonté ces temps-ci. Bon, il y a pas mal d'Européens dans l'eau. Ça, c'est US News World Report qui trustent un peu les grands rapports comparatifs mondiaux. Ils font des enquêtes entre 20 000 et 100 000 dirigeants dans le monde ou des personnes à haut niveau d'éducation pour comparer les positions des pays. Les pays ressentis les plus innovants par les cadres supérieurs dans le monde, et 1 Suisse, 2 Japon, 3 Canada, 4 Allemagne, UK, Suède, Australie, États-Unis, Norvège, France. Donc un top 10 où on retrouve toujours au moins moitié d'Européens. Et il y en a toujours avant. Ça, Customer Technology, c'est les gens qui font le fameux CES, vous savez, le Salon des Arts Ménagers de Los Angeles, qui est... Mais c'est pas une blague, c'est comme ça qu'on l'appelle sur place. Et qui vous dit, voilà, en fait, depuis ces dernières années, les plus résilients, c'est les Européens, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment accru leurs dépenses de R&D. Hein, c'est 10 pays qui sont Européens, et voilà, ils mettent Europe, Nord-Amérique et autres. Donc, en ce moment, on a une bonne... Bon retour du développement d'activités d'R&D. Innovation inclusive. Alors, un des problèmes qu'il y a, on n'a pas les mêmes modèles sociaux en Europe. Vous voyez ici, par exemple, les 50% des gens les plus pauvres ou les moins riches. Aux États-Unis, il n'y a pas eu vraiment de progrès du pouvoir d'achat. En Europe, ça a monté quand même. C'est un électorat très important aux États-Unis. Et là, je monte sur ce schéma qui est un problème, puisque aux États-Unis, on a plein d'amis dans toutes les grandes universités et entreprises. On a les 1% de plus riches qui sont montés à 21% de la richesse nationale, alors que les 50% plus pauvres sont tombés de 21 à 12. Donc c'est une situation très dangereuse, si vous voulez. Si vous comparez avec l'Europe, nous, les pauvres, sont restés à 2%, les 1% qui est un peu plus riche. Si je couvre les deux graphiques, vous voyez l'Europe avec les gens les plus pauvres, 50% et plus riches, et aux États-Unis où le système s'est inversé. Ce qui est un système ressenti violemment. Les États-Unis, un système qui est violent aujourd'hui, des États comme la Californie, comme New York, comme Pennsylvanie, sont contre ce système parce qu'il est quand même très inégalitaire. Nous, on n'a pas ça, donc ça a un coût aussi de pas être égal. Alors, 7 points, développement humain durable. Alors, vous savez que le monde entier, tous les pays du monde se sont mis d'accord sur 17 objectifs de développement humain durable horizon 2030. Les États-Unis aussi, ils n'ont pas quitté le système, ils payent, ils participent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, excusez-moi, 4 éléments dits de développement durable dans le sens classique, c'est-à-dire écologique, 4. Hein, 3 qui sont dans le vivre dans la ville et les territoires. Et puis 8 qui sont sur le développement humain, la santé, l'égalité des genres, etc. Et 2 qui sont sur la gouvernance internationale, principe de paix et principe de partenariat et de coopération systématique chaque fois que c'est possible. Dans cet objectif-là qui structure l'innovation du monde entier jusqu'à 2030, alors j'ai vu le classement, les pays les plus avancés dans les objectifs mondiaux de développement humain durable, là, il y a 15 jours, hein, 2019, sont tous européens. Suède, Danemark, Finlande, Allemagne, France, Norvège, Suisse, Slovénie, dedans. Il faut aller à la place 35 pour trouver les États-Unis, puisque la présidence est officiellement contre, ou Japon et tout. Donc ça a un coût aussi de répondre aux objectifs de développement humain. Hein, c'est décider de donner priorité à des choses qui ne sont pas forcément la rentabilité. Et exemple des émissions de CO2, les fameuses émissions de CO2, vous voyez les émissions de la planète, tous les autres pays sauf Chine. Chine a monté, puis elle est sur un palier, puis ils ont décidé de prendre des mesures, mais cette année, ça réaugmente. États-Unis, ça avait baissé sous Obama, ça réaugmente pour maintenant, avec qui vous savez. Et l'Europe, ça fait 40 ans qu'elle baisse son niveau de CO2, quand même, d'émissions, hein, en tonnes, et ça baisse plus cette année, et l'Inde qui monte. Donc, l'Europe fait un effort exceptionnel, ce qui fait qu'il y a, et on le voit bien dans les discussions, disant oui, mais vous ne respectez pas le protocole et les accords de Paris, donc non, ça a un coût de respecter ça que vous n'avez pas, qui plombe au niveau de la compétitivité, d'où la nécessité d'avoir des règles communes. Mais voyez, on ne peut pas dire que l'Europe ne fasse pas son boulot et la France est en avance sur la moyenne de l'Europe. Exemple, alors là, schéma de Customer Technology Association, ça regroupe tous les producteurs de produits grand public électroniques américains.
les fameux organisateurs du CES, entre autres, culture, carte de la R&D mondiale en développement durable. Il n'y a que des pays européens qui sont, et Singapour, hein, dans les 10 premiers, donc ce n'est pas un mauvais classement, si vous voulez. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que les US ont un palier, puisque... Et là, je prends... nous, on travaille beaucoup avec les Américains. Silicon Valley, c'est un blog, ces tendances, Silicon Valley, qui s'appelle The Next Silicon Valley. Je prends un article récent qui vous dit « Dans l'innovation altruiste, l'Europe est leader mondial sur l'impact de l'innovation ». Donc c'est une analyse Silicon Valley, si vous voulez. Et notamment ce qu'on appelle altruisme, c'est un rapport qui s'appelle « Contributeurs et détracteurs ». Si on joue le jeu du reste du monde, on ne pollue pas, etc., etc., est-ce que c'est paye de jouer? Est-ce que l'innovation altruiste paie? Et regarde dans le ranking mondial, il dit apparemment oui, ça montre qu'il vaut mieux jouer le jeu mondial que de jouer tout seul. Donc voilà, hein, je le montre. Et ici, alors ça paraît bizarre, ça s'appelle Good Country, c'est tendance et tech for good, il faut faire du good, il faut être bien, il faut être gentil. Vous allez sur des sites d'entre grandes entreprises françaises aujourd'hui, vous croyez que vous êtes chez l'abbé Pierre, tellement ça dégouline l'humanisme partout. Et là, on vous dit voilà, il y a un index qui a été mis, comment vous équilibrez science et technologie, culture, participer à la paix et la sécurité mondiale, à un équilibre mondial, la planète et le climat, prospérité, égalité, santé et bien-être. Et là, vous regardez, tous sont européens d'abord. Hein, les États-Unis, j'ai mis en bas, ils arrivent en 40e position. Là encore, cet engagement, si vous voulez, a un coût relatif. Mais apparemment, c'est le bon choix. Qualité de vie, j'arrive là. World Happiness Report, alors il est sorti maintenant, il y a une étude mondiale qui regroupe toutes les institutions, parce que les gens sont contents, puisque, contents ou pas, hein, donc contents, Finlande, Danemark, Norvège, Islande, Pays-Bas, Suisse, Suède, Nouvelle-Zélande, Canada, Autriche et tout, bon, les US, ils sont pas pour l'instant, dans ce top, ils y sont après, et là, j'ai pris un journal américain qui dit pourquoi les États-Unis continuent à tomber dans le Happiness Report, alors qu'il y a une croissance économique, ils disent en fait, derrière cette croissance, on a des problèmes de dépression, taux de suicide, etc. La vie moyenne, on est le seul pays où la durée de vie baisse. Et on a donc ça qui inquiète nos amis américains. Depuis 2012, c'est-à-dire les heures Internet augmentent, mais la durée de sommeil, social interaction, bon, qui fait que la société est plus déstructurée qu'on ne le croit de loin. Il n'y a pas que Facebook dans la vie, en fait, ou Tinder, suivant votre sensibilité. Voilà. Et si donc, si on compare au niveau international à peu près ce qu'on appelle l'indicateur de progrès, vous voyez, l'Europe, plutôt nord et sud, enfin il y a aussi sud, elle a cette position d'avoir une plus-value culturelle et développement humain. Qu'on va regarder. Alors il faut savoir que ça a un impact très important sur les coûts. Les coûts de travail en France, Allemagne et Suisse sont les doubles des coûts unitaires américains. Et pourtant, on est excédentaire net vis-à-vis des États-Unis parce qu'on a des produits à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est très important. Valeur ajoutée essentiellement agriculture. Alors j'arrive sur les derniers points. Excusez-moi. Voilà. Agriculture. Alors l'université de Pennsylvanie avec d'autres universités américaines a dit quels sont les pays qui ont la plus forte valeur d'héritage culturel aujourd'hui dans le monde, qui a une valeur qu'il faut entretenir. On verra parce que la culture, ça peut vous tirer vers l'arrière. Puis dire la culture, c'est le passé, la tech, c'est le futur. Or la culture se renouvelle par une innovation permanente et la tech sans culture, c'est chiant. Ça ne mène nulle part. Alors, 1, France, 2, Italie, 3, Espagne, 4, Grèce, 5, Mexique et Inde. Alors ici, je rappelle, les références, nous, on va dans le monde entier, on a la chance de former des gens dans le monde entier, on va recevoir nos amis chinois vers 10h30. L'Europe reste sa référence mondiale, incontournable pour la culture, l'esthétique, plus de la technologie, le design, la mode, le luxe, les marques, etc. Dans tous les pays du monde, on regarde, c'est marqué local et European, et c'est plus cher. C'est plus cher parce que c'est censé être mieux. Un European car, c'est mieux qu'American car, c'est plus cher, comme ça. Un European beer, c'est plus cher qu'American beer, ou local, au Japon. Donc l'Europe garde cette image de produit un peu sophistiqué, qui donne envie, donc c'est important, parce que ça permet de compenser un peu les coûts. Alors ici, cultural influence, hein, US, encore, World Report, j'ai pris que de la source américaine, je vous ai dit. Hein. Alors là, c'est par une enquête mondiale, 100 000 cadres dirigeants, gens influents, etc., qui vous dit, voilà, et à un niveau... L'art, la capacité d'entraîner aussi l'entertainment, les événements mondiaux, la mode, etc., plus que le militaire, politique ou l'économie, la culture de ces pays leur donne un impact très important pour le reste du monde. Alors vous voyez, Italie, France, Espagne, US, UK, US surtout par le cinéma, par Hollywood, etc., et les réseaux, UK, Japon, Brésil, Australie, Suisse et Suède, donc l'Europe est très présente à ce niveau-là.
la France serait le pays plus visité. Là, on a demandé aux entreprises américaines, vous avez dit, la France devient un lieu attractif pour s'implanter. Effectivement, on a une augmentation des implantations d'entreprises, notamment high-tech américaines. On leur dit, c'est quoi vos critères? Pourquoi vous venez vous installer en France? Un, environnement culturel. Trois, qualité de vie et culture, vous voyez l'important. Situation géographique, c'est au milieu de l'Europe, c'est pratique. Qualification de la main-d'œuvre, qualité des infrastructures, priorité donnée à la R&D, solidité du système bancaire. On a trois des six plus grandes banques du monde, donc on se sent en lieu sûr pour investir. Juste pour rappeler, ça date février 2019, on essaie de voir. Exemple de valorisation culturelle. Un organisme mondial valorise des biens culturels. Tour Eiffel, valorisation 434 milliards d'euros. Capacité à générer du chiffre d'affaires pour des décennies à un niveau très élevé, devant le Colisée, 91 milliards, Sagrada Familia, 90 milliards et tout. Ça a beaucoup de valeur. On sait que c'est le plus bel investissement qui a jamais été fait à Paris. Avec Notre-Dame, où il y aura un peu d'entretien, mais ça reste visible. La Tour Eiffel, c'est le monument payant le plus visité du monde. Alors n'oubliez pas que ça a un impact très important, la culture. Paul Andrew, qui nous a quittés, il nous aidait dans les formations en Chine. Bon, l'opéra de Pékin, vous voyez, la fois le yin, le yang, avec du cristal et du titane. Plus de moitié des bâtiments chinois nouveaux symboliques sont le fait d'architectes français, pour info. Sorbonne à Abu Dhabi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Branding d'un milliard quand même. On a nos amis de la Sorbonne qui seront là. Louvre d'Abu Dhabi, Musée national du Qatar. Il y a beaucoup de gros contrats dans les tuyaux. C'est très high-tech, c'est très culturel, c'est très maillage des talents, c'est très exigeant. Et n'oublions pas, je mets une citation d'Umberto Maturana, qui est le grand philosophe mondial actuellement, il dit « L'identité et la culture d'une société se renouvellent par l'innovation. Sinon, ça deviendra des arts et traditions populaires. » Et beaucoup de pays étrangers nous reprochent de ne pas mailler les deux. Dans une culture du feu de Dieu, vous êtes assis sur un trésor, mais vous opposez, donc culture, c'est l'ancien. Il nous donne l'exemple, nos amis chinois, d'une émission des racines et des ailes. Il dit « Moi, j'ai vu les racines, j'ai jamais vu les ailes. » Et en plus, l'ancien régime. Est-ce que madame de maintenant était là, oui ou non? Ça, c'est très important. Les ailes. On verra plus tard. Bon. Soft power, je termine sur soft power. Ça s'appelle soft power. World most influential countries. Quels sont les pays qui ont un impact lié à leur effet? Ça veut dire connectés au reste du monde, culture influente, politique influente, des alliances internationales solides, 11 000 personnes, élites mondiales. Alors il dit, voilà les plus influents, ce qui est un atout déterminant, États-Unis, Russie, Chine, Angleterre, Allemagne, France, Japon, Israël. Comment on valorise ça? Voilà, c'était juste pour faire ce petit tour d'horizon. Il est rapide. Tous les travaux de référence sont dans la bibliothèque quand vous remettez tous les trimestres, quand vous avez besoin de comparer. Ça montre qu'on n'est pas dans une situation désespérée ni désespérante. Je dirais, en plus, nous, on constate en allant dans le monde entier l'augmentation de la demande de coopération avec l'Europe. Parce que dire « je t'oblige, je te prends ça, c'est à prendre ou à laisser », ça ne marche pas plus que ça. L'Europe, c'est neutre. Personne ne craint qu'elle soit impérialiste. C'est plutôt un peu le bordel vu de l'extérieur, mais personne ne craint une invasion des troupes européennes dans leur territoire, si vous voulez. Et donc on souhaite coopérer avec la science, la culture, l'industrie, beaucoup de choses. Et donc les demandes de coopération s'accroissent, on l'observe depuis 5 ans, d'avoir une image qui est correcte. Voilà, c'était pour redonner un petit peu une vision par rapport à ce qu'on voit un petit peu partout.